Bonjour et bienvenue chez Mr. and Mrs. Grimm. On est mercredi et comme chaque mercredi, on va au cinéma. Et là, en ce mois de février, je vais pour mon premier film de 2022. Ouais, on a eu une fin d'année un peu compliquée, cette année question cinéma. Alors aujourd'hui, pour Uncharted, le film, l'adaptation en direct live du jeu du même titre, ou plutôt la saga de jeu du même titre. Alors, c'est un jeu qui est sorti sur PS3. J'ai tous les jeux Uncharted, je les ai tous joués. Il y en a... Alors, avec Nathan Drake, il y en a 5, il y en a eu 3 sur la PS3. Il y a eu le 4 sur PS5 qui a été remasterisé pour la PS4 et 5. Et il y a eu un épisode sorti pour la PS Vita. Et sur la PS4, il y a eu un épisode Legacy qui fait un spin-off que j'ai pas beaucoup aimé. Donc Uncharted, où Nathan Drake est un personnage un peu à la Indiana Jones ou Tomb Raider au masculin. Sauf qu'il n'a pas de fouet pour un Indiana Jones. C'est un homme qui sait servir des armes, c'est un chasseur de trésors qui vit des aventures un peu surnaturelles de temps en temps. Une saga que j'ai beaucoup aimée, que j'ai bien jouée. À chaque fois que les jeux sortaient, je les achetais. Donc voilà, Uncharted. Alors, il a été adapté en direct live et le film... bon, ça fait des années qu'ils en parlent de l'adaptation cinématographique. C'est Spider-Man qui joue le rôle principal dans le film. Donc il y a... Ah, il s'appelle comment Spider-Man ? Tom Holland dans le rôle principal. Avec Mark Wahlberg dans le rôle de Sully. Justement, pour Sully, Mark Wahlberg, je le dirai après. Sinon, le film est réalisé par Ruben Fleischer. Bon, comme d'hab, je vous mets sa photo, je vous écris son nom. Je sais pas si ça se prononce juste. C'est celui qui a réalisé Bienvenue à Zombieland 1 et 2. Le 2, je l'ai toujours pas vu. Je l'ai en DVD, je l'ai toujours pas vu. Le 1, c'est un film que j'adore. Il fait partie, le Bienvenue à Zombieland, il fait partie de ces films que je regarde 2 à 3 fois par an. Donc depuis qu'il est sorti, je l'ai en DVD. Je l'ai racheté en Blu-ray, je le vois et je le revois à chaque fois. Et il est aussi sur Netflix, donc et j'adore. Ah oui, il a tourné, réalisé aussi avec le même acteur le film 30 minutes max, un film que j'aime bien. C'est une comédie inspirée de faits réels. Bon, l'histoire vraie est un peu plus dramatique. Le film étant une comédie, il est beaucoup plus drôle et beaucoup plus passionnant. Et il a réalisé Venom le premier. Voilà, donc il n'a pas fait que du bon. Et là, il nous fait Uncharted. Bon, mais Uncharted adapté en film, ça va être un film de commande. Donc on verra bien ce qu'il va nous faire dedans. J'ai vu la bande-annonce, le film ne donne pas trop envie. Sinon, au scénario, entre les auteurs qui ont participé aux jeux vidéo, etc., il y a deux que je retrouve dans Wikipédia parce que Allociné, il me donne toute une liste. C'est Art McCollum et Matt Holloway. Bon, je l'ai dit en même temps parce qu'ils ont la même filmographie. C'est eux qui ont scénarisé Punisher Warzone. Bon, malheureusement, les adaptations du Punisher sur grand écran ne sont pas fameuses, mais je les ai tous et j'aime bien. Celui-là, je l'ai bien aimé aussi. Ils ont participé au scénario de Iron Man, le premier. Ils ont scénarisé le Transformers 5, le dernier chevalier, The Last Knight. Et ils ont scénarisé Men in Black International, qui n'est pas une référence non plus. Voilà. Sinon, le film, le budget, il a coûté $120 millions pour 116 minutes de film.
À part ça, il n'y a rien de spécial. C'est l'adaptation du jeu. Donc, on verra. J'ai vu la bande-annonce. Il y a quelques scènes que j'ai vues qui me font penser au jeu. À part ça, bof, si c'est pour nous faire ça, je vois pas trop le truc, mais on verra. Je pars pas avec une grande attente. Comme ça, je serai pas déçu au cas où. Sinon, il y a juste un truc qui m'a dérangé parce que malheureusement pour moi, même sur YouTube, je n'ai pas pu éviter toutes les bandes annonces. Et comme je vais voir le film en VF, donc j'ai vu la bande-annonce en VF et j'ai été vérifié sur internet. J'ai raison parce que ça m'a dérangé dans la bande-annonce. C'est la voix française de Mark Wahlberg. J'ai jamais fait gaffe. C'est le genre de truc auquel on fait pas attention jusqu'au jour où on est confronté. Comme je vous ai dit, j'ai joué à tous les jeux Uncharted. Ben, Mark Wahlberg en VF, il a la même voix que Nathan Drake dans les jeux vidéo. Et j'ai vérifié, c'est bien Bruno Schoell. Je vous mets la photo et le nom. Bruno Schoell, c'est H-O-E avec deux points L, qui fait la voix française de Nathan Drake et de Mark Wahlberg. Donc j'avais raison. De voir, d'entendre la voix du personnage, mais pas dans le bon rôle. Parce que là, Mark Wahlberg, il joue le rôle de Sully au lieu de Nathan Drake. Je vais voir, est-ce que sur 1h16, ça va me déranger plus ou pas. Voilà, c'est le seul truc que j'ai à dire. Pensez à l'abcé. N'oubliez pas de liker ou disliker cette vidéo, de nous le dire dans les commentaires. Pensez à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Et pensez à partager tout ça avec le smile. Je vous laisse avec la bande annonce. À tout à l'heure. Ciao. There are places out there you can't find on any map. They're not gone. They're just lost. Hey kid, a little young for a bartender, aren't you? A little old for prom, aren't you? Everything in here. Why the map? This is the path that Ferdinand Magellan took to sail around the world. You know your history. The biggest treasure that's never been found. 5 billion, easy. I think you're here because of your brother. Wait, you know my brother, Sam? If we find that gold, we find him too. You are a collector. Well, I dabble. I don't dabble. My family has been looking for this fortune for a very long time. So much blood. About this stuff since I was a kid. My brother Sam left one final clue. Oh, God! Salut Uncharted, le film, 1h16. Comment dire, il est bien, il est pas bien, ça passe. On est très très loin de l'ambiance du jeu. Le film, il reprend à peu près l'arc narratif de Uncharted 4, où on raconte la genèse de, justement, de Nathan Drake et sa rencontre avec Sully. Donc au départ, ils ne se connaissent pas et le film raconte ça. Mais
comment dire, j'ai aimé, mais je sais pas. Est-ce que parce que j'ai joué à tous les jeux et que je connais bien l'histoire, donc le film, ça va, il reste fidèle par rapport à l'histoire des jeux vidéo, mais il y a beaucoup de manques. Je ne sais pas comment l'expliquer. Là, comme je l'ai dit à un ami, la suspension de crédibilité, elle manque dans ce film. Dans le jeu, ça passe parce que c'est nous le personnage et tout le jeu est fait de notre point de vue de joueur. Donc tout ce qu'on fait, tout ce qui se passe, c'est nous qui le faisons. Donc même si des fois on fait des trucs incroyables, comme par exemple on le voit dans tous les films de ce genre, où t'as un gars qui tombe et au bout de 5 étages, il arrive à se rattraper un truc et à s'accrocher. Dans le jeu, nous le vivons. D'ailleurs, on meurt plusieurs fois avant de réussir la cutscene pour s'accrocher et réussir le truc et survivre et continuer le jeu. Là, le film, il nous le fait presque. Il nous montre le personnage principal tomber d'un truc. La caméra tourne sur autre chose et après, il y a le personnage qui réapparaît. On ne sait pas comment ni pourquoi. Bon. On se dit oui, il a fini par s'accrocher, machin. Non, ça passe pas parce que la plupart du temps, il tombe pas tout seul et que c'est toujours lui qui s'accroche et qui revient alors que les autres. Et même si des fois il y a un effort qui est fait pour que ce soit crédible, mais ça ne l'est pas. Comparé au jeu vidéo, je préfère le jeu vidéo. Il y a un bon humour. Je n'ai pas beaucoup ri, mais il y a quand même un bon humour. Il y a pas mal de scènes reprises du film. D'ailleurs, vous allez le voir dans la bande-annonce. La scène de l'avion où Nathan Drake s'accroche à des conteneurs pour remonter, c'est une scène qu'on retrouve dans Uncharted 3. D'ailleurs là, il y a une blague que j'ai beaucoup aimée et un caméo très intéressant. Dans le jeu, on finit par s'accrocher un truc, utiliser un parachute et atterrir dans le désert. Alors que dans celui-là, dans le film, on atterrit dans l'eau. Ils finissent sur une plage et là sur la plage ils croisent un gars qui leur demande ce qui se passe. Ils lui disent ben on est tombé d'un avion et on a atterri dans l'eau. Il lui fait ben vous avez de la chance, vous aurez pu atterrir dans le désert. Et ce gars c'est Nolan North, c'est l'acteur qui fait la voix en VO de Nathan Drake dans les jeux vidéo. C'est l'acteur américain qui fait le. J'ai bien aimé. Et le caméo et la blague, vous aurez pu atterrir dans le désert alors qu'elles ont atterri dans le truc. Après, par rapport au film qui se passe de nos jours, il y a pas mal de scènes qui se passent en ville, par exemple à Barcelone, dans des lieux très touristiques où il y a des fusillades, des trucs. Il n'y a toujours pas la police qui arrive. On a tellement vu de films que maintenant, voilà, on se dit quand même, il faut arrêter ce genre de truc. Dans un jeu vidéo, ça se passe. Dans un film qui se passe de nos jours, et en plus, ils utilisent pas mal les téléphones. D'ailleurs, ça parle d'appli de traçage et de compagnie. Ça manque de. La suspension de crédibilité ne fait pas son effet dans ce film. Quoique, 2 heures, c'est un peu long pour ce que ça raconte. Ça manque. Quand on connaît pas les jeux, si vous connaissez pas les jeux vidéo, vous allez pas aimer le film. Vous allez vous trouver avec pas mal de blancs, pas mal de trucs que vous ne comprendrez pas. Alors que, bah oui, le film. D'ailleurs, dans le générique du film, on commence avec le logo PlayStation. Donc, dans la production, il y a PlayStation. Donc, je pense qu'ils veulent adapter leur film, leur jeu vidéo phare en film. D'ailleurs, le réalisateur, son prochain film, c'est Jack and Daxter. Après, je ne sais pas si c'est un film en direct live ou en film d'animation. Les scénaristes, comme je l'avais dit en première, je ne sais pas si je l'ai dit en première partie, les scénaristes principaux sont aussi sur le film The Division, inspiré du jeu du même titre. C'est un film un peu post-apocalyptique que j'ai pas beaucoup joué. Sinon, il n'y a pas grand-chose. Je ne sais pas quoi dire. Le film, bof. Je l'attendais beaucoup. Honnêtement, quitte à faire un comparatif, bon, le dernier Resident Evil, je ne l'ai pas vu. Comparé dans le même style à Tomb Raider, je préfère le film, l'adaptation Tomb Raider, qui assumait ce côté jeu vidéo, donc il était assez fidèle au jeu vidéo, surtout le dernier.
qui a repris pas mal de trucs d'un point de vue scénaristique, etc. Alors que celui-là, il nous mélange tellement de scénarios de tous les jeux en essayant de faire quelque chose qui ne tient pas la route, qui n'a aucune logique. Le scénario est fade. Et comme je l'ai dit en première partie, la voix française, parce que j'ai vu le film en français, la voix française de Nathan Drake, qui est la même voix française que celle de Mark Wahlberg. De dire que peut-être, si on avait fait d'autres choix, on aurait tourné autrement. Hé hey, petit, un peu jeune pour faire des cocktails. D'entendre la voix de Nathan Drake et que c'est pas lui, moi ça m'a dérangé. J'ai joué à tous les jeux, donc la voix française de Nathan Drake, je la connais par cœur. Et là, d'entendre Sully parler avec la voix de Drake, j'ai pas beaucoup aimé. Sinon, grosso modo, voilà, bof. Qu'est-ce que je peux dire? J'espère qu'il y a un seul cinéma près de chez vous. Vous avez 2 heures à perdre, vous avez joué les jeux, vous voulez découvrir le film, je vous le conseille. Si vous n'avez jamais vu les jouer aux jeux vidéo, je vois pas trop d'intérêt à un néophyte d'aller voir ce film parce que le scénario est creux. Il raconte rien, il apporte rien. Je vous encourage à découvrir les jeux vidéo. D'ailleurs, il y a un remaster pour la PS5 qui est sorti de Uncharted 4. Et les jeux Uncharted qui sont sortis sur PS4, ils sont compatibles PS5. Donc, si vous êtes comme moi, vous avez l'abonnement PSN, vous aurez la mise à jour gratuite. En sachant que depuis Horizon Forbidden West, les prochains jeux PS4, vous devrez payer la mise à jour PlayStation 5. Voilà, sinon, n'oubliez pas de l'abcès, pensez à liker cette vidéo, à la disliker et à nous le dire dans les commentaires. Dites-nous ce que vous avez pensé du film, si vous l'avez vu, ou ce que vous pensez. Les jeux, c'est des jeux que j'adore. S'il y a un 5 qui va sortir, je vais me l'acheter, ça c'est sûr. Sinon, pensez à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne. Et surtout, pensez à partager Facebook, Twitter, tous les réseaux où on peut partager cette vidéo. Tout ça avec le smile. Ah merde! Faut que je fasse de vite. J'oublie les trains. Voilà, sur ce, à la prochaine. Ciao. Bon, ah oui, cette semaine-là, à partir de jeudi, j'ai 4 jours de repos jusqu'à vendredi. Je vais essayer de rattraper mon retard, je vais essayer de voir Moonfall, je vais essayer de voir Meurtre sur le Nil, je vais essayer de voir Un héros malgré lui de Philippe Lachaud, vu que j'ai 4 jours de repos avant lundi. Donc c'est des vidéos que vous allez voir, qui vont sortir, peut-être les films ne seront plus à l'affiche, ils ne seront pas dans les temps, ils seront sûrement entrecoupés entre deux par Batman, The Batman. Voilà, je ne sais pas comment je vais faire, mais on verra bien. Allez, à la prochaine, ciao !